Pour créer votre sentier et le géolocaliser, rendez-vous sur le site de Tella Botanica. Vérifiez que vous êtes connecté en haut à droite. Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un. Cliquez ensuite sur l'onglet « Outils », puis sur « Sur le terrain »,« Smart Floor boîte à outils » et enfin sur « Accéder au tableau de bord ». Sur le tableau de bord, vous pouvez retrouver les espèces que vous souhaitez mettre dans votre sentier. Avant de commencer, vérifiez que vous êtes toujours bien connecté. Pour rechercher une fiche, c'est très simple. Dans un premier temps, choisissez le référentiel ou la zone géographique dans laquelle se situe votre sentier afin de retrouver les espèces lors de la recherche. Ici, nous resterons en France métropolitaine. Utilisez ensuite la barre de recherche ainsi que l'autocomplétion pour rechercher des fiches espèces. Ensuite, cliquez sur OK ou la touche Entrée de votre clavier. Des fiches espèces ainsi que des fiches sous-espèces apparaissent. Les fiches en verte sont les fiches qui ont déjà été créées et que vous pouvez consulter en cliquant sur « Voir cette fiche ». Les fiches en blanc sont les fiches qui n'ont pas encore été créées et que vous pouvez créer en cliquant sur le plus « Créer cette fiche ». Vous pouvez également faire votre recherche par nom vernaculaire en vous aidant toujours de l'autocomplétion. Et en cliquant sur « OK ». Pour mettre une fiche en favori, c'est très simple. Dans le cas d'une fiche déjà existante qui apparaît en vert, vous pouvez voir en bout de ligne une étoile. Cliquez sur celle-ci pour la faire apparaître en jaune et pour faire apparaître la fiche dans votre fiche favorite. Vous pouvez alors l'éditer, la consulter en ligne ou télécharger directement le QR code. Pour une fiche qui n'apparaît pas en vert, qui n'est donc pas existante, l'étoile n'apparaît pas. Cliquez alors sur le plus, créez cette fiche. Double-cliquez ensuite sur les zones de texte, remplissez-les et cliquez sur OK pour valider. Une fois que vous retournez à la liste des fiches espèces, vous pouvez observer que votre fiche apparaît maintenant en vert ainsi que l'étoile. Votre fiche a été créée et vous pouvez la mettre en favori. Vous pouvez donc toujours éditer autant de fois que vous voulez cette fiche ou bien la supprimer de vos favoris en cliquant sur la poubelle.